L'homme, les animaux ne sont pas les premiers à être apparus sur Terre. Il existait bien avant eux de petits êtres vivants invisibles. Ils sont présents partout sur Terre, dans l'environnement et sont partie intégrante de l'organisme humain et animal. Leur force, c'est leur pouvoir à s'adapter au changement. Nous parlons ici des bactéries. Parmi elles, certaines sont inoffensives voire indispensables à notre survie, en revanche d'autres sont nocives. En 1928, Alexander Fleming, un médecin, constate à son retour de vacances qu'une moisissure avait empêché la croissance de ses cultures de bactéries. Le premier antibiotique venait de naître, la pénicilline. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les firmes pharmaceutiques ont beaucoup investi dans la recherche et la production des antibiotiques. À partir des années 50, l'euphorie d'après-guerre, le sentiment de toute-puissance, a provoqué une surconsommation globale n'épargnant pas l'usage des antibiotiques. Leur utilisation devient de plus en plus massive tant dans la médecine humaine que dans l'élevage animal. À cette époque, les découvertes de nouveaux antibiotiques sont régulières. Pourtant depuis 1940, certains chercheurs dont Alexander Fleming suspectaient l'apparition de bactéries résistantes et la possibilité de leur développement au fil du temps. En effet, certaines bactéries peuvent devenir résistantes à un ou plusieurs antibiotiques. C'est ce que l'on appelle l'antibiorésistance. Les hommes se transmettent entre eux ces bactéries résistantes, et en cas d'infection le champ d'action des antibiotiques se voit réduit. Malheureusement, il a fallu des décennies de consommations excessives avant que les constats de nombreux scientifiques ne commencent par être considérés. Aujourd'hui, la résistance aux antibiotiques est devenue un problème de santé publique majeur. Les bactéries résistantes ne font qu'augmenter, et on a de moins en moins d'antibiotiques efficaces. Pendant ce temps, la consommation des antibiotiques ne cesse de croître et il est difficile de découvrir de nouveaux antibiotiques. Nous n'avons plus aucune nouvelle découverte depuis plus de 25 ans. D'ici quelques années, nous risquons peut-être d'avoir une forte mortalité due aux infections bactériennes.